Excusez-moi, monsieur. Puis-je vous aider, monsieur ? À une époque... Excusez-moi, monsieur. Puis-je vous aider ? Où le terrorisme ne connaît pas de frontières. Mais... Et où la menace... J'ai un message pour le président américain. ...n'a plus de limites. J'ai pris le contrôle du vol 343. Ce ne sont pas les otages qui les intéressent, monsieur. Qu'est-ce que vous racontez ? Les pirates se sont emparés d'un chargement neurotoxique des Z5. Vous êtes en train de dire que le neurogaz est à bord ? Oui, monsieur. Ils ont l'intention de faire exploser l'avion pour répandre le DZ-5, ici, au-dessus de Washington. Quand le monde entier se mobilise... Londres réclame une intervention immédiate. Il y a un panneau mobile sur le ventre de l'avion à l'avant. On pourrait arrimer un chasseur. Je sais que vous êtes un professionnel de l'intervention sur les détournements, mais ça se passera en plein vol. Je crois que nos choix sont assez limités. Et que la technologie de pointe... Ici, Gus, l'agent 007 accomplit des miracles. Qu'est-ce que vous faites ici ? Qui d'autre se jetterait à l'eau ? Vous ? J'ouvre le panneau extérieur. La décision de vie ou de mort. J'espère qu'ils ont prévu un bon film. Pour 400 otages à bord d'un avion. Continuez. Ou pour 40 millions d'êtres humains au sol. Ils se contentent pas de Washington. Il y a assez de neurotoxiques pour balayer la moitié de la côte est. Se réduit à un choix entre l'impensable... Le Pentagone a l'intention de nous éliminer. Et l'impossible. Ils nous survoleront dans 85 minutes. Il faut fermer ce panneau maintenant, sinon nous perdrons les deux avions. Ordonnez au F-14 d'intercepter le 747. Kurt Russell. Je perds le contrôle de l'avion. Halle Berry, John Leguizamo et Steven Seagal. On n'y arrivera pas. Vous, oui. Warner Bros. Vous invite. Nous n'allons tout de même pas descendre cet avion. C'est trop tard, ils ont franchi la ligne. À attacher vos ceintures. C'est un ordre du président. Tout le monde à terre! Vous avez des ordres. Exécution. Ultime décision.